effectivement le meilleur départ que Bidouane. Regardez bien, la Cubaine, elle est en tête, elle est pratiquement revenue à hauteur déjà de Nézet Bidouane. C'est le scénario que l'on attendait. Le second aussi est parti très vite. Ouais, et maintenant on va voir la réaction vraisemblable de la Marocaine qui va passer dans la deuxième partie de la course à une accélération progressive alors que 920 est revenu sur Tobias Coutford. 920 très bien, perdit pas mal. Pour l'instant, Nézet n'a toujours pas fait son effort. Ça va venir maintenant, Julien 920. En sortie de virage, à la lutte avec Dany Pernia et Nézet Bidouane. Voilà le match dans le match. 920 est en train de craquer. Et Nézet Bidouane, en quelle démonstration, ça y est, elle le tient à son deuxième titre de championne du monde alors que Pernia explose littéralement. De quelle manière, 53-34, nouvelle meilleure performance mondiale de l'année. Ça y est, c'est fait. Nézet Bidouane est de nouveau championne du monde. Et de quelle manière? Du 400 mètres haut devant Julien 920. De quelle manière Dany Pernia s'est complètement écroulé. C'est-à-dire que la Russie était partie très vite, elle a aussi peut-être entraîné Pernia dans cette stratégie. Oh, je crois qu'elle n'en revient pas. Je ne pense pas qu'elle imaginait telle domination à tel écart. Patrick, vous savez, c'est quand même une revanche sur le destin. Se remettre sur les deux opérations du tendon d'Achille successivement, sur des années différentes, et un petit peu les trucs sur la file dans votre préparation. Je crois que c'est. Je ne sais pas si c'est pour le bout de sa carrière, mais ça y est ensemble. Les amis douanes. First 200, I just thought, you know, she's out of this. There's no way that she's going to be able to make up. And the power and the strength, and literally just in that last sort of like 50 metres. And yeah, I mean, you know, I did say watch her. And I think if she committed herself a little bit more in that first.